Peor que el pánico no hay nada. Una situación como esta no puede durar indefinidamente. No estamos encantados, amigos. Like an astronaut catapulted from his spaceship. Boa tarde. Esta é a primeira sessão de um conjunto de quatro que teremos durante o mês de junho, em que a Escola das Artes irá apresentar um conjunto de filmes, seja de filmes mais cinematográficos, seja obras de videoarte, em que nos ajudarão a refletir numa altura em que se começa a falar, em que nos preparamos para uma espécie de desconfinamento, em que nos ajudam a refletir sobre o conceito de confinamento, a ideia de limitação do acesso ao real, e para isso vamos perceber de que forma, ou melhor, vamos refletir de que forma é que as imagens e a mediação pelas imagens do real informam e delimitam a nossa existência. Esta noção de acesso ao real, de ser limitado, é uma velha questão da filosofia, desde Schopenhauer, mais recentemente ao Merleau-Ponty, e continua a ser muito discutida hoje em dia, e é uma questão que está profundamente ligada com a própria prática artística e com a forma como as próprias tecnologias vão transformando a forma como temos acesso a esse real. Nomeadamente, neste ciclo, iremos, numa primeira fase, focar-nos
em ideias de sobre a separação espetacular das imagens, ou seja, a forma como as imagens são usadas para mediarem e não controlarem, mas de certa forma condicionarem a forma como nós percebemos a realidade, e isso torna-se cada vez mais relevante numa sociedade digital em que uma boa parte da forma como nós acedemos a notícias, a informação, a imagens e a sons, tudo isso é filtrado, é transformado por um conjunto de algoritmos que nós desconhecemos e que transformam aquilo que também se descreve como uma bolha do real. Nesse sentido, hoje vamos apresentar dois filmes. O primeiro deles é o The Museum is Free, de Olivier Cheval. Neste filme, o realizador propõe uma visita completamente virtual a um museu que arquiva um conjunto de imagens de violência americana. E com essa violência, vamos ver, isto coloca-nos duas questões. Uma, de que forma é que as imagens de violência nos fazem compreender que violência é esta e de que forma é que não criam um certo distanciamento com a realidade. E, por outro lado, ver também de que forma é que a transformação tecnológica dos meios de registro de imagens transforma também a forma como nós percebemos o mundo e informa a nossa Weltanschauung. Por outro lado, o segundo filme é do Diogo Evangelista, o Organic Machinery. É um filme também pensado para um espaço expositivo, em que um viajante entrega o seu destino a um programa que parece ser de inteligência artificial, e ele aqui reflete um pouco sobre a própria autonomia orgânica de um mecanismo tecnológico que se foi criado, ou seja, a forma como um sistema tecnológico pode assumir autonomia e independência e tomar decisões por nós. E sem mais demoras, vamos ouvir, antes de vermos os filmes, vamos ouvir um depoimento do Olivier Cheval sobre o filme que vamos ver hoje, The Museum is Free. E aproveito também para informar que a exposição do Diogo Evangelista está aberta reabriu já no mês passado aqui na Escola das Artes, Blind Faith, e é possível marcar, através de marcações e com um conjunto de regras, é possível visitar a exposição. Podem consultar todas as regras e todas as informações em artes.cp.pt. A próxima sessão será no dia 17 de junho. Obrigado e até à próxima. Bonjour à tous. Merci à João Pedro Amorim de montrer cette vidéo, The Museum is Free, qui est une vidéo que j'ai faite il y a 5 ans maintenant, en 2015, alors que j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts de Paris, que j'ai faite très rapidement avec la technique du machinima, qui est une technique de composition 3D assez simple puisqu'elle permet en fait d'utiliser un logiciel avec des constructions d'espaces préexistantes. Et enfin, on construit son espace mais avec des décors et des personnages qui eux sont déjà disponibles dans une sorte de base de données. Au fond, on construit son monde un peu comme quand on construit un monde dans les Sims par exemple. Et après, on filme tout avec des caméras virtuelles, donc différents angles de prise de vue, différentes focales. Et donc, moi, j'ai construit ce musée de la guerre américaine. Et je l'ai filmé dans un long plan séquence unique. Et ce musée, et donc on suit une spectatrice qui a à peu près 70 ans, possiblement née en 45, là où commence le musée. Dans la salle, on voit les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et une grande photo au fond à droite sur laquelle j'avais travaillé quand je faisais des études théoriques de cinéma.
J'ai travaillé sur la survivance de cette photographie dans des films japonais contemporains, des films de Noboru Suwa, de Kyoshi Kurosawa et de Naomi Kawase. Et c'est une photographie qui montre l'ombre d'un homme qui a été pulvérisé par la bombe, et la bombe a agi une sorte de grand flash laser qui a tout éclairci, et lui, en étant désintégré, a quand même imprimé sa marque sur son ombre. Et donc, c'était pour moi le premier stade d'une sorte de virtualisation des images. On commence donc avec de la photographie argentique et des images argentiques aussi de films en 16 mm de la bombe, en noir et blanc. Et peu à peu, les différentes salles suivent à la fois la progression de l'histoire de la violence américaine sur ces terres et sur des terres étrangères, et la progressive virtualisation des techniques d'enregistrement de ces images de violence. Donc on continue après la salle avec Kennedy, le 16 mm, les photographies argentiques, puis il y a une sorte de palier qui est passé quand on rentre dans la salle où j'expose sur trois écrans comme un triptyque vidéo, trois vidéos de capture des caméras de vidéosurveillance du lycée de Columbine pendant la tuerie du lycée dans la fin des années 90. Et on rentre après dans la grande salle, des petites caméras numériques et des techniques infrarouges, la salle du 11 septembre et de la guerre en Irak. Puis on arrive au moment de notre contemporain, qui est cette petite salle de cinéma où la violence qui a lieu est une violence virtuelle, une violence des images de propagande, puisque notre héroïne assiste à une vidéo faite avec la même technique que la mienne, enfin pas exactement, mais avec un jeu vidéo, avec le jeu vidéo GTA 3, je crois, que des djihadistes, des gens de Daesh, de ISIS, ont détourné pour tuer le plus de flics possible à Los Angeles dans le jeu vidéo, et ils l'ont posté en lui rajoutant une sorte de musique de litanie, de prière, qui est une sorte d'appel au djihad. Et donc dans cette salle, notre héroïne qui a assisté à la progression de la dématérialisation des images, qui sont de plus en plus abstraites jusqu'à devenir réellement virtuelles, dans une sorte de guerre qui se déroulerait dans les images et sur Internet. Et donc notre héroïne se trouve confrontée face à un monde qui est le sien, parce que c'est une héroïne en 3D, que jusqu'ici elle était impassible, comme si c'était encore trop réel pour elle. Et dans cette petite salle, elle est face à ses semblables, des personnages numériques de synthèse, inventés de toutes pièces. Et là, elle a un mot qui marque au moins une émotion minimale. Donc c'était à l'époque, depuis j'ai fait des films. J'en avais d'ailleurs montré un à Porto, à l'université, il y a un ou 2 ans, 2 ans maintenant, je pense. Et je fais des films de fiction qui, certains ont toujours trait quand même, en fait, le film que j'avais montré adapté d'un texte de Goethe, toujours trait à la manière dont on peut voir les choses et dans ces choses, dans notre vision du monde, est médiée par les technologies en place à une époque. Et quand j'ai fait un film sur Goethe, c'était le tourisme, la mode du panorama et toute une série de spectacles liés au spectacle vivant qui sont une sorte de pré-cinéma que Goethe décrit très systématiquement dans son voyage en Italie. Et le regard de Goethe sur le monde, il était médié par cette technique-là. Et après, j'ai fait une comédie musicale sur l'ancêtre d'Internet en France, qui était une petite machine qui s'appelait le Minitel. Qui est là en haut de.
la bibliothèque. Et là aussi, c'est toujours la même question. Et en fait, je passais aux Beaux-Arts de Paris, je faisais plutôt de l'art vidéo. Je passais au cinéma, mais voilà, toujours en me demandant, au fond, en me posant cette question voilà, comment on peut voir des images, comment ces images en retour agissent sur nous et sur notre sensibilité au drame et aux horreurs ou aux beautés du monde. Voilà.